Salut les viewers, c'est Marcus Bonus. Et bienvenue dans la playroom sur un nouvel épisode de Fallout 3, toujours dans le je sais plus comment ça s'appelle, c'est le truc de la garde nationale, la garnison de la garde nationale. Si je me trompe pas, ou un truc dans le genre. Non, je ne désire pas monter tout de suite. En compagnie de quelques robots sentinelles. Donc, à voir pour la suite. Hop. Il y avait une tourelle là, je l'ai pété. Là, il n'y a rien. Je crois entendre des choses. Oh, intéressant ça. Oh, oh. On a des choses par là. Dommage que des armes soient le côté seulement moisi des armes en fait. Prendre les cartouches alors. Alors les PM je les utilise pas du tout. Je devrais peut-être, hein, je reconnais que je devrais peut-être le faire. Hein. Mais non, moi je suis pas. C'est pas mon genre. Hop. Qu'est-ce qu'il y a par là? Oula. On a tous pu voir certaines choses pas très agréables. Buvons un coup, avant que le combat ne commence. Parfait, ils nous ont laissé en paix. Pour celui qui me fera en paix en prout, ça ne fleura pas. Le problème c'est que j'y ai pensé, donc... Ok, hop. D'autres chiottes avec un casier, et dans ce casier des cartouches. C'est logique, on planque des cartouches jusque dans les chiottes. F5. Fiu, il y a du monde. Il y a carrément du monde. Arme, pardon, je me suis trompé. Cérébrobot. Et 2-1. Fusil à placement, on va réparer. Parfait. Ah zut. Ok, et de 2. Il y en a un qui me parle mal. Voilà. Bonjour l'ami. J'ai que 23% de chance. Donc je me dis que je vais pas toucher. Parfait. Mettez-moi en boîte et renvoyez-moi à la maison, mais oui. T'inquiète pas. Hop. Mince, si je prends pas, ça va pas le faire. Hop. Fusil d'assaut. Des casques. Des munitions que j'avais déjà prises. Pas d'armes. Pistolet 32, pourquoi pas. Cartouche de 32, pourquoi pas. Et rien du tout. Hop, relâchons un petit peu. Parfait, ça je prends. Ça je prends. Ça je prends. Je l'ai liquéfié littéralement. Donc ça c'est un stand de tir, chers amis. Apparemment ils y ont vraiment fait la guerre aussi. Hein. C'est assez violent. Oh, et des réserves. Voilà qui est plus que sympathique.
Génial. Mon épingle à cheveux, voyons. C'était l'épingle à cheveux de ma femme. Bon. Arrêtons nos conneries. Un marteau, non. Marteau! Un seul steampack, vous êtes radin. Bureau de dépôt. Bon bah allons-y. Bon, c'est pas comme si j'avais le choix. Ok. Ok. Je ne l'avais pas vu, je l'avoue. Parfait. Descendons dans les bureaux. Serait-ce un tableau? C'est un tableau, à mon avis. J'ai cru que c'était un coffre l'espace d'un instant. Non, mais il n'y aura pas de coffre. Oh! Par contre, il y a des caisses de grenades. Plus des grenades utiles, des grenades à impulsion. Génial. Génial, génial. Bon, bah parfait. Ce n'est pas complètement inutile d'être là, en fait. Apparemment, c'est un grand livre calciné. Moyen. Aïe. Voilà. Ah d'accord, c'est pour avoir accès à ça. Et désactiver les tourelles dans l'autre. Defensive, non. Accepting, non plus. Apologize, non. According, 3 sur 9. Regarding, 6 sur 9. Returning. Ah la vache. Depending, on avait dit non. Résidence, non plus. Lieutenant, non plus. On peut y arriver, hein. Spreading, non. Obtaining, voilà, parfait. On a eu ce qu'on voulait. Deux, trois, quatre, cinq. Bon, bah apparemment, elles ont pas l'air de vouloir taper. C'est bien qu'elles s'attaquent pas entre robots en fait, c'est possible. Aucune signature. Enfin, si, il doit y avoir une signature thermique normalement, enfin bon. Ce n'est pas grave. Pourquoi ai-je comme qui dirait l'impression qu'il y aura des choses intéressantes là-dedans? Je sens que maintenant que je l'ai dit, je vais me tromper. Point assisté. Ouh. Ça c'est génial ça comme arme. Enfin c'est stylé, je trouve. Boîte de conserve défoncée, ça ne m'intéresse pas. Bon, on va avancer un petit peu. Hop. Salut les mecs. La forme. Ok. Et donc je vais ressortir au niveau d'une entrée. Littéralement. Il est juste là. Bonjour, monsieur le Protectron. Désolé, monsieur le Protectron.
vous ai senti un petit peu menaçant. Ouhou. Ok. Parfait. Ah, d'autres radiations, génial. C'est vachement irradié dans le coin quand même, hein. Et bon, j'imagine que je devais m'y attendre. Je connais un qui va sûrement me mettre à me chercher. Oh putain, il m'a foutu les boules. Oh nom de Dieu. Oh le con. Donc tronc, moi je veux toucher la tête. Alors, on est blessé. En plus d'être blessé, on est mourant. Parfait. Mangeons un petit coup. Pourquoi j'ai de la chair humaine sur moi? Je ne comprends pas. Et les bombes sucrées, normalement, je n'y touche pas. Oh, empoisonnement, mais non. Radaway. Allez, descends. Voilà. Je l'ai eu. Bon. Alors. Merci pour le missile. Qu'est-ce qu'il y avait par là? Dépôt de la garde nationale, mais c'est pas de là que je suis. Là, il y a clairement un truc par là. C'est forcé. C'est obligatoire. Je peux pas m'avoir mis ça sans que ça veuille rien dire. Quand même pas. Ils sont pas putes à ce point là. Ah bah si. Si si, j'ai juste pris des radiations pour le fun en fait. Cool. Merci les gars. Trop sympa. Bon, allons-y. Oh lolololololol. Ça me dit quelque chose cette porte? Non, pas vraiment. Donc, je suis sorti un autre bout apparemment. Et surtout un endroit dans lequel je suis coincé littéralement. Toujours voulu tester dans ce jeu là, j'ai jamais fait gaffe. Ça marche, d'accord. Intéressant. Donc j'ai fait tout ça pour arriver là et que ça ne me serve strictement à rien. Ok. C'est cool. C'est... Ah bah oui, parce que ça, est-ce que ça a ouvert ça au moins? La porte s'actionne ailleurs, bah vous voyez bien. Donc ce n'était pas là non plus, bah d'accord, j'ai fait tout ça pour rien. J'ai fait tout ça pour rien, c'est le bonheur. Ok. Bah écoutez les amis, je pense que je vais d'abord finir cet épisode. Je sais pas du tout quelle durée il fait malheureusement, j'en suis désolé s'il est trop court.
Surtout que je me rappelle plus du tout. Comment il faut pour y... comment faire pour y aller en fait? Par là. Par là. Apparemment non. Ok, là j'ai compris. Putain, ça se trouve, elle est juste passée là. Bah non, même pas. Je comprends pas. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que j'aime pas ne pas comprendre? Ok. Raté. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser le TCL. TCL. Hop, voilà. Je suis curieux de savoir si c'était quelque chose par là. Hop, enlevons le TCL. Je me rappelle plus du tout cet endroit-là, moi. En tout cas, je me bouffe une quantité de radiation complètement incroyable. Apparemment par là il y a strictement rien surtout. Hormis du décor. God save America. Bon bon bon. Bon, en plus je me casse la figure mais c'est pas grave. Ouais je vais aller voir entre deux chers amis ce qu'il fallait. J'ai enlevé les collisions, je vais revenir là. Parce que là, franchement, ça m'intrigue. Hop. Collision off. Capsule 80, je vais les prendre. Ah bah, il est là. Ah ah. Parfait. Wouhou. Encore un de nos copains. Aïe. Voilà. Bon. Alors. On se re-soigne. On a une quantité de Steam Pack assez sympathique. Hein. On récupère ce que le monsieur avait sur lui. Et nous sommes... juste dans l'endroit avec... ah non, avec un interrupteur électrique. Oh. Arsenal de la garde nationale. Ah ah. Là, ça peut être intéressant, chers amis. Mais nous, on va se laisser là pour ce premier épisode de tournage. Enfin, premier épisode de tournée. Quant à moi, les amis, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la pouce vériser, la commenter, la partager, vous abonner. Rejoignez le groupe Steam, joueurs de la Playroom, on peut retrouver le lien dans la bannière de la chaîne. N'hésitez pas non plus, si vous le souhaitez, à aller dans le descriptif de l'épisode, trouver les liens vers mon partenaire gamesplanet.com et les différents jeux Fallout qu'il propose jusqu'à la précommande de Fallout 4. Quant à moi, je vous remercie une fois de plus d'avoir regardé cette vidéo, d'être fidèle à ma chaîne. C'était Marcus Bonus dans la Playroom, un plus pour d'autres aventures. Salut les gens. Et hop.